Bonjour, je m'appelle Freddy Romero, je suis étudiant ingénieur des arts et métiers par ITEC et j'ai fait l'expertise de système mécatronique pour l'innovation industrielle. Et actuellement, je me trouve à Dassault Systèmes pour faire mon stage de fin d'études dans le projet Poppy Virtual Twin, stage que j'ai commencé le 1er février 2016. Et le principal objectif, c'est travailler avec ces petits mecs qui s'appellent Poppy. Donc, pendant mon stage, j'ai travaillé dans l'amélioration de la bibliothèque des solutions du département de l'Académie. Notamment, j'ai travaillé sur l'amélioration de la démonstration Poppy Virtual Twin, démonstration qu'on a maintenant, qui tourne maintenant. Et une des améliorations qu'on a introduit pendant cette démonstration, c'est l'introduction des senseurs virtuels dans le jumeau virtuel de Poppy. Par exemple, ici, vous pouvez voir que chaque fois qu'il fait une perturbation dans la trajectoire de Poppy, la couleur de moteur il change en réponse en fonction du couple mécanique expérimenté par le servomoteur. Donc ce concept, je l'ai généralisé pour des autres variables, par exemple la température, la tension, de manière que Poppy soit, que les Poppy virtuels soient en version de réalité augmentée du vrai système Poppy humanoïde et Poppy torso. Pendant mon stage ici à Dassault Systèmes, j'ai appris différentes choses, et notamment l'utilisation des outils Dassault Systèmes, spécialement la 3D Experience Platform, CATIA System, et aussi les environnements de simulation tels comme Dimola et Modelica, et outils que j'utilisais pour la simulation de Poppy Virtual Twin, et des autres démonstrations que j'utilisais pendant des événements organisé par l'Académie, ainsi que d'autres outils comme des différents langages de programmation tels comme Python et C++, et des outils de management de projet comme Delmia et Novia. Donc pour le moment, je suis en train de chercher une thèse de doctorat et dans les domaines de la contrôle commande. Aussi, je suis ouvert à des propositions de travail dans les domaines de l'automatique et la robotique. Moi, je sens vraiment qu'une expérience comme cette stage à ce système a été une expérience très enrichissante parce que j'ai pu voir vraiment les perspectives de l'industrie et à travers de tous les différents types de solutions qui sont utilisées dans différents champs. Et comme ça, je peux expérimenter les futurs et l'avenir de la technologie et surtout dans la robotique pendant mon projet avec Poppy.